Aquosphère, ou plutôt bonsoir. Je me suis attelée à la préparation de ma table de Nouvel An. Et donc, je vais utiliser donc, du matériel que j'ai eu lors de mon calendrier de l'Avent de Scrap Didi. Le Bonne Année, le die étiquette. Donc, j'ai déjà découpé l'étiquette en blanc et en doré. Donc, j'ai le cadre en doré et l'écriture, la partie interne qui sera en blanche. Et le Bonne Année, que j'ai aussi déjà découpé, qui sera en blanc. Donc, il vous faut une étiquette, un petit mot Bonne Année, quelques étoiles. Alors, moi, j'ai utilisé ce que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Il vous faut deux grandes bandes de 28 cm par 2 cm, ici donc 28 par 2, et deux petites bandes de 21 cm par 5 mm, et une autre petite bande que vous voyez peut-être pas bien ici, qui est en rhodoïde de 5 mm par 15 mm. Donc le rhodoïde fait 5 par 15 mm, 5 mm par 15 mm, 21 par 5 mm deux fois, 28 par 2 cm deux fois. Mes étiquettes et c'est parti. Donc dans le papier comme ça, vous allez faire un pli à 10,7 cm du bord. Et il y aura un point de colle à 5 cm, entre 5 et 5 cm et demi. De ces 10,7, donc 5,5. Donc vous faites votre trait pour marquer le pli. Donc, et là vous allez donc ici plier à 10,7 cm plié et ça vous donne ceci. Vous faites la même chose pour l'autre. Donc vous avez exactement la même chose deux fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coller cette extrémité ici sur l'extrémité du 5,5 que vous avez marqué. Donc vous allez venir mettre la colle ici et plier juste à 5,5, là où vous avez marqué, pour former un rond. Donc, ça donne ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Une fois qu'on a plié, ça donne un rond. Donc, je vais laisser tomber celui-là pour l'instant. Je vais déjà m'atteler à faire celui-ci. Donc, une fois qu'on a fait cette partie-là, ronde, on va faire cette partie-là qui va être le 2. Donc, vous allez, dans un premier temps, marquer un petit arrondi sur la partie juste après le pli. Voilà, tout petit, hein, pas très gros. Et un arrondi dans l'autre sens, vers l'extérieur. Pour pas que ça penche. Voilà. Et vous allez venir coller ici, après, pour former le 20. Mais avant de coller, on va mettre ces deux bandes-là et le rhodoïde qu'on aura plié pour pouvoir faire une espèce de feu d'artifice au-dessus. Donc ça, vous le pliez un peu comme vous voulez, pas forcément de la même longueur. Hein. Moi, je plie un peu aléatoirement un côté court, un côté long. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux qui vont me permettre de faire 2020. Et donc ça, ce seront mes marque-places. Et je vais mettre ma petite étiquette ici au centre. Je vais les mettre de côté pour l'instant pour vous montrer le montage de ceci. Donc là, vous allez mettre un point de colle. Donc, moi, je vais les mettre comme ceci.
donc côté long, côté court et puis inversé au centre. Et là, donc, vous collez et vous obtenez ceci. Et ça, on va venir le coller sur le 2 juste avant de coller le 2 définitivement sur le 0. Et pour le rhodoïde, c'est pareil. On va le plier en deux, un côté court, un côté long. Voilà. Et on va venir le coller à côté. Donc on a, ça fait deux bandes de 5 mm. Donc on a une bande de 1 cm à coller ici sur notre 2. Donc ça, notre 2 qui va être à peu près, il va venir se coller comme ceci. Voilà. Donc on va mettre la partie noire derrière et la partie rhodoïde devant. Vous faites un repérage de la zone où vous allez mettre la colle pour que le 2 soit à peu près bien formé sur le 0. Donc j'ai mon 0, mon 2, pour que ça fasse à peu près joli. Donc je vais venir mettre ma colle ici. Et une fois qu'on aura bien collé, on va venir arrondir les bandes noires. Donc vous prenez votre règle, vous donnez un petit coup, ça fait tout de suite un arrondi. Vous le faites sur les quatre petites bandes noires et vous ajustez après avec votre doigt. Donc vous obtenez ces trois bandes où on mettra des petites étoiles. Et le rhodoïde, on va le tourner à 90 degrés vers nous, donc on va marquer un petit pli en bas pour que il soit tourné face à nous, puisque je vais y coller le bonne année. Donc je vous conseille tout simplement de glisser votre doigt jusqu'à la base, et à la base vous faites un petit pli comme ceci, et vous faites la même chose pour le deuxième, donc à peu près voilà comme ceci. Et donc vous avez votre rhodoïde qui sera tourné vers vous. On va venir coller le bonne année. Voilà, donc le bon en haut. Donc après on va couper la partie qui est au-dessus du N qui dépasse un peu. Voilà. Et puis on va coller nos petites étoiles, elles un peu partout. Vous prenez un deuxième 20. Que vous allez venir coller ici à côté. Donc ils viennent se coller l'un à l'autre. Donc vous avez les deux 20 collés, vous n'avez plus qu'à poser votre étiquette avec le prénom. Et voilà, vous avez une partie du marque-passe classe qui est terminée. Et puis, donc, on a collé quelques étoiles de ci, de là. Donc voilà, mon marque-place est terminé.
On va attendre que ça sèche pour vous montrer ça. Et donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est tout fini. Donc là, j'ai glissé un petit Ferrero dans le sirop. Vous pouvez en mettre un deuxième dans le deuxième zéro. On verra quand je mettrai dans l'assiette. Et voilà ce que ça donne au final. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée de Nouvel An. Scrabbies à tous. Ciao, ciao. Bonne fin de journée.